Tu me laisses m'introduire en faisant un double whip to the gap ou pas? Vas-y, attends. Attends. Je vais me faire tourner dans ce que je viens de dire là. Vas-y mec, tu veux faire une intro 3 minutes? T'es prêt? Ouais, vas-y. Oh merde! Attends, on m'a dit. Tu sais que c'est hyper dangereux en plus, des fois, juste de faire le con et tout. C'est vrai? Ça. Mais attends, mais je voulais faire tourner de base, je réessaye. Je suis sûr que je peux t'apprendre parce que je sais pas le faire, mais. Aussi bien en tête qu'en BMX! Oh, attends, j'ai fait le 3-6 pendant que t'applaudissais, les gens ont vu ou pas, tu penses? Mesdames et messieurs! Mec, tu sais ce qui se passe ou pas? Dis-moi. Waouh! C'est loupé. Là, ça veut dire. Attends, juste. C'est ça la pancarte qui est juste ici. Qui veut dire qu'on va se faire de la thune? Mesdames et messieurs, qui c'est qui m'a contacté et voulait qu'on fasse le jeu en mode jeu société tous ensemble? On était 5, on en a parlé ensemble. Tu m'as brain. Pourquoi? Tu m'as dit qui c'est qui m'a contacté. Et je me disais qui c'est du coup. Qui c'est qui l'a contacté? Putain mais qui c'est qui? Vraiment je t'entends dire, mais attends, y'a un problème dans sa phrase. Non en gros ils m'ont contacté, c'est un jeu où on qui c'est qui, tu dois voter dans la table qui bien sûr, mais qui c'est qui par exemple. Exemple, hein, carte au pif, carte au pif, vas-y, carte au pif, carte au pif. Qui c'est qui rajoute toujours des tonnes? Les youtubeurs. Excellent, allez. Bref, non, en gros, ils m'ont contacté et je me suis dit que au début, on voulait la faire tous ensemble. Ouais. Mais on n'est jamais dispo. Et puis après, toi, tu m'as dit il y a pas longtemps, mec, ça serait trop cool qu'on refasse. Enfin, ça serait trop cool qu'on refasse ce que t'avais fait avec Maxime il y a longtemps où on apprend, on juge les youtubeurs. Oui. Genre quel youtubeur avec qui tirer à la mer. Et au moment où on pense à ça, BAM! Qui c'est qui me contacte? Qui c'est qui? Donc on arrive tout de suite au qui c'est qui, j'ai choisi plein de cartes. Est-ce qu'on peut préciser que moi je suis absolument pas au courant de tout ce qui a été fait? J'ai juste vu la première question et j'ai déjà envie de partir. Alors, ça me saoule. J'ai voulu prendre des questions qui en gros étaient plus ciblées des youtubeurs, par exemple qui en fait des tonnes. Bah sûr, vous auriez dit tout le monde. Bref. Du coup, j'ai choisi les meilleurs pour en faire une vidéo sondage, générique, le fun. Prout. Et le P. Première question. Qui c'est qui ressortirait vainqueur d'Hunger Game? Est-ce qu'on vote avant? Ouais, bah celle-là, on l'a vu. Oui, on l'a vu. Moi, je pense que j'aurais voté pour Neoxy, toi ou moi. Je pense. Je sais pas lequel des trois. Moi, j'aurais voté Neoxy. C'est vrai? Bah, je vais pas voter pour moi et j'aurais voté Neoxy. Ok, moi, je pense que j'aurais voté pour toi. Et après, les abonnés, je pense qu'ils auraient voté. Bah, de toute façon, je le sais. Je pense qu'en vrai, ils auraient voté pour toi. Alors, je pense, sans regarder. Ouais, sans regarder. Simple hypothèse, mais non, moi, je pense qu'ils auraient voté pour toi. Je suis à 34%. Et après, c'est Amixem. Alors là, on va être franc. Amixem, il court pas. C'est pour ça qu'il court pas. Amixem, ça aurait été chaud. Il y a Neoxy en dernier. Moi, j'aurais vu genre vodka, Neoxy, Mastu égalité, enfin un peu nous trois égalité. Avec Céline et Jordan, j'aurais pas vu. Bah, Jordan, je pense Neoxy, juste, je pense que Jordan, ça ferait chier, tu vois. Jordan, il serait en mode, j'en ai à foutre d'un Hunger Games. Il prendra un petit banjo et il serait là sur le côté. De toute façon, je vais mourir, donc autant jouer de la musique une dernière fois. Exactement. Quoi. En vrai, moi, je suis pas d'accord avec ce sondage. Je me casse. Les gars, il est vénère d'être débuté. C'est bon, ça saoule. On fait des sondages, on travaille, on est là en studio, on galère, on cherche des trépieds, des micros, on a tout. Et qu'est-ce que ça me dit? Mec, mets un feu de cheminée à l'arrière, j'en peux plus. Mets un feu de cheminée parce que là, ça m'énerve. Alors, fire, cheminée. Là, oh là 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 là. Et bah tu vois, là, je me sens tout de suite mieux. Et là, je peux accepter. Là, qui c'est qui, c'est le meilleur jeu. Qui c'est qui? Ah, j'ai envie qu'à chaque fois qu'on dit ça, il y a le logo qui apparaît. Qui c'est qui? Les mecs en font trop pour une OP. Il y a le logo partout. Regardez! C'est une OP! Qui c'est qui? C'est déjà réveillé nu dans un champ sans savoir comment il en est arrivé là. Je pense vraiment que je suis perçu comme étant le plus gros teubé de toute la Redbox. Du coup, je pense que je suis très haut placé. Tu penses? Attends, nu dans un champ, ça. Déjà, je pense déjà... que toi aussi t'es bien placé. Ouais, je pense. C'est clair, je suis sûr que je suis bien placé. Je pense qu'on est bien placé. Et par contre, je pense. Moi, j'aurais voté Jordan. Ah ouais? Pour le côté musique en vrai, et le festival. En vrai, je pense que j'aurais voté Jordan parce qu'il m'a déjà raconté des anecdotes improbables. J'aurais raconté une anecdote et je la balance pour lui. Il m'a dit un jour, il était en soirée et tout, et genre il y avait sa voiture de garage à un endroit et il a dormi à côté de sa voiture parce qu'il pensait avoir perdu ses clés, et le lendemain en se réveillant en fait elles étaient dans sa poche. Dormi à côté de ouais, sa voiture. Ouais, pour pas qu'on lui vole sa voiture. Mais s'il a pas parce les clés de toute façon. Non mais il pensait qu'on lui avait pris les clés. Du coup, ah, il oui. attendait que le mec revienne alors qu'il les avait dans sa poche depuis le début. J'imagine très vite tu vois le mec dans ta voiture. Ah bah je t'entendais. C'est bon, parfait. Là, parfait. Bah, c'est nickel, bon, tu veux pas me rendre le double des clés s'il te plaît. Le gars il dit "Oui, pas de soucis, pas de soucis." Je pense que les gens ont voté Noxy. Changement plot twist. Ah mais c'est vrai qu'en fait ouais, sur le côté je pense Maxime est dernier. Genre Maxime il fait poser sur le côté aventure. Neoxy, ils ont voté pour lui. Ah, pas bête. Vas-y, let's go, Neoxy. C'est toi le premier. Hein. Mais quoi? Mais arrêtez! C'est toi le premier. Clairement, je me suis. Je crois que j'ai jamais fait une. J'ai dû faire peut-être deux soirées dans ma vie où vraiment je me suis réveillé en mode pour. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais jamais un truc nu dans un champ, enfin. Bah surtout, c'est nu en fait. Encore réveillé dans un champ, je pense que c'est faisable. Mais nu, qu'est-ce qui ouais, passé, nu, c'est quand même chaud. Ouais, c'est trop bizarre. C'est quand même trop tu bizarre. Tu t'as des vers de terre sur le crâne et tout, c'est pas possible. Ah, Mixem 3%, on est d'accord. Ouais, Mixem 3%, ça j'en étais sûr. Par contre, pour le reste. Putain, c'est marrant.
Oh putain. Qui c'est qui retourne ses caleçons pour les porter une seconde fois? Déjà gros kiffé ça en fait. Non en plus en mode qui est sale quoi. Les chiens je vais encore y avoir droit. Putain j'ai l'impression que ce sondage c'est moi quoi. Là c'est plutôt ils vont je pense qu'en vrai. Là je pense qu'ils vont se dire qui est le plus crado de tous. Qui pète tout le temps tu vois. Mais peut-être que tu pètes plus que moi. Je pense que je pète. J'ai vraiment une réputation de péteur quoi. Ouais. Tu vois il y a des youtubeurs genre youtubeur beauté. Bah moi je suis youtubeur paix je crois. On m'a mis dans cette case depuis. Il y a moyen que ce soit moi. Je pense que t'es bien devant. Ouais je crois que je suis bien devant aussi. Oh les chiens. Oh là là. 42%. Mais non mais comment tu veux que je justifie après à ma mère? Non mais c'est très sérieux ce que je fais, attention. Vous travaillez sérieux? Bah regardez. Les statistiques parlent d'eux-mêmes en fait. Je suis premier monsieur. La question on la regarde pas. C'est je suis premier. À 42% s'il vous plaît. Tu changes les questions. Je suis youtubeur préféré de France? Mais c'est moi, regardez. Maxime c'est lui pour clean. L'instant, lui il est clean de ouf. Il est clean de ouf. T'inquiète, on va vous dire la vérité sans Maxime. Pour de vrai, il y a déjà des gens qui font ça, de retourner son caleçon. Non mais personne fait ça, t'imagines? Toi t'en penserais quoi genre les mecs qui faisaient ça? Moi si je connais un mec qui fait ça, je lui dirais mec tu pues la merde quoi. Ah pareil, je ferais pas pareil. Tu fais ça toi? Allez, non. Suivant. Je ferais juste en caleçon et dans quel sens? Ah! Juste pour voir. Non, mais des fois, j'en mets pas tout le temps. Oh putain, allez! Oh putain, merde! J'ai la réponse, de toute façon, c'est ce que je pensais. Qui c'est qui arriverait à négocier sa libération avec un ravisseur? Bah, c'est Max. Bah ouais. Il même quand il a tort, il arrive à te faire avoir. Tu sais, il arrive, il a tort, et finalement, c'est lui qui a raison. En deuxième, vas-y, viens, attends, parce qu'on savait qu'Amixem allait être première. En deuxième, tu penses que c'est qui? Moi, je pense qu'ils ont mis Joyka. Mais je le dis, à côté musical, tu vois, peut-être qu'ils disent, il peut jouer une petite. Le mec peut jouer du pipo. Ouais, Avant que tu me libères, je peux te dire un truc, je sais jouer de la flûte de pan. Bah ça change tout. Let's go, on signe pour le prêt. Oh, attends, 60% pour Maxime, mec. Mec, c'est ouf, hein. Je pense que je suis sûr que c'est le pourcentage le plus élevé de tous les sondages. Oh, attends, parce qu'il y a un truc, c'est qui pue la merde et je pense que je vais être à 100%. Non, je rigole. Qui c'est qui pue la merde ici? C'est violent. Vodka à 100%. Eh ben, c'est un plaisir. Merci à tous. Je vous adore, ma communauté, vous êtes les meilleurs. Tu penses que tu pourrais négocier avec un. Oh, je serais très mauvais, je pense. Je dirais, mais gros. J'irais, arrête ça. Non. Arrête. Georges Renoir, je fais. Tu sais, tu lui fais la morale. Oh, c'est ça. Gros, mais c'est pourquoi tu fais ça? J'ai qu'une petite voix, mais pourquoi, mec? Bah, c'est ça. J'irais loin et je ferais. Oh, quand même. Il me lâche. Qui c'est qui peut se repérer dans une forêt grâce à la mousse sur les arbres? Attends, quoi? C'est quoi ça? C'est une astuce, une vraie? Ouais, par rapport à où pousse la mousse. Alors, ça se trouve, mec, je dis de la merde. Attends, essaye de me suivre. En gros, le soleil s'est levé. Ouais. À tel endroit, donc il a éclairé comme ça, le plus possible. Donc la mousse a poussé, genre. A poussé dans tel sens parce qu'elle a été éclairée par le soleil. Et du coup, tu sais en quel sens le soleil se lève à tel endroit. Ah ouais. Tu vois wow, mec, après, franchement, tu prends ton téléphone et il y a une boussole dessus, c'est aussi bien. Aussi, mais bon, ouais. Je vais t'expliquer un truc qui est très marrant sur YouTube. La dernière vidéo, mec, j'ai dit il y a 6 hectares, ça fait 6000 mètres carrés. Et en fait, 6 hectares, c'est 60 000 mètres carrés. Okay. Un commentaire sur 3, c'était mais longtemps, t'es une grosse merde. Je regardais les commentaires, j'ai putain, la vidéo, les gens, ils ont trop kiffé le concept, je pense. Eh, hey, faut penser plus loin que ça. Ça référence les vidéos. Ouais, vous bah, essayez de faire plaisir en mode Valentin, ta vidéo, elle est trop bien. Plutôt que t'es une grosse merde, tu sais pas compter. Bah oui, je sais pas compter. Ok, j'ai pas mon bac. Bon, bah voilà. Je le trouve un peu à fleur de peau. Non, mais ça va très bien. Mais... J'ai l'impression que la mousse pousse sur toi. Un peu à fleur de mousse. Je pense que c'est Maxime qui a été. Maxime a été choisi. Ouais, mais c'est sûr. Moi j'aurais dit Maxime. C'est aussi. Sûr, c'est Maxime. Son aventurier. J'ai mis sur un 42% à Maxime. Et je pense que je suis avant-dernier. Il a 50 et quelques pourcents. Ouais, ouais, à 55, abuser. Un truc comme ça. Oh, je suis même pas avant-dernier. Oh, par contre. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes méchant. Vous savez qu'il va être là. Ça sert à rien de le clasher comme ça. Ah, mec, tu sais pourquoi? Parce que l'astuce est fausse, ils le savent. T'es le seul intelligent à comprendre que ça marche pas. C'est sûr, c'est ça. C'est des choses. Je comprends bien qu'il y ait des séances de psy à domicile. Avec le petit cheveu de le petit feu de cheminée, ça le fait trop. Oui, bah je veux dire. Oui, mais monsieur, en fin de compte, est-ce que qui se repère dans une forêt grâce à la mousse des arbres? Moi, j'ai l'impression que personne moi, ne se repère. Moi, je pense qu'une boussole, c'est très bien aussi. Une boussole, voilà, une boussole, c'est très bien. Justement, les gens se sont dit, il est plus intelligent que ça, il va sortir une boussole de son téléphone, vous voyez? Vous pensez qu'on est d'accord alors? Oui, bien sûr qu'on est d'accord. Vous êtes tous d'accord avec nous. Moi, après, moi, j'aime pas la mousse. Enfin, déjà, je comprends pas l'intérêt. C'est un peu surcoté, je trouve. Voilà, et puis qui vous dit que la mousse avait pas été collée par quelqu'un d'autre, déjà? Les gens vont pas assez loin dans l'application. Ils sont là, Amixem, la mousse, mais nique ta mère, mon gars. Monsieur, trop tard, la séance est dépassée. Ah, pardon. 42 euros, s'il vous plaît. Vous êtes trop marrant, monsieur. Vous allez tirer de l'argent? Ouais, je vais retirer. Ah, ok, vas-y, pas de soucis, je vous attends. Yes. Con, lui. Oh putain, qui c'est qui se fait recaler à l'entrée des boîtes? Les gens ont voté pour toi, je pense. Ouais, je pense aussi, mais je vois pas pourquoi. Attends, comment tu sais? Je sais pas. Peut-être que je dégage une image de jeune branché un peu. Peut-être trop jeune. Ils disent putain, il est trop jeune lui. Après, j'ai un peu de barre maintenant. Ouais. Du coup, ça peut-être les gens ils disent ah, il a pris maturité. Parce que ça se passe comme ça sur YouTube. C'est genre, oh, il a pris la barre, il est mature. Je pense que j'aurais été pour toi. Ou Neoxy. Aïe, ça tombe pour Neoxy. Oh mec, et regarde, c'est pas si mal. Joyka à 3%. Joyka, il a pas fait masse de story où il est en boîte. Ouais, mais mec, moi, je suis allé deux fois en boîte dans ma vie, j'aime pas. Du coup, j'y vais jamais. Ah non, c'est recalé, putain, je comprends le truc. Ah oui, recalé. Ah oui, c'est pas fou en fait. On passe partout. Non, en fait, là, clairement, il y a écrit que t'es une merde en fait. Chômé!
Et bah moi, truc de fou, je me permets de raconter l'anecdote parce que vraiment j'étais en pleine débandade, en pleine débandade. Une boîte, c'était 21 ans max, j'avais 20 ans, je suis rentré, même pas demandé la pièce d'identité, il a vu la babarde, il a dit, bah tueur, ça passe. Et voilà, c'est ça être un gangster en fait. Prends-en de la graine. Moi, une fois j'étais en boîte, en fait j'y suis jamais allé parce que j'ai pas de potes. Ah, bah tu peux y aller tout seul. T'arrives, tu t'ambiances. T'entends la musique au loin, t'étais déjà en train de taper du pied comme ça. J'ai jamais vu un mec tout seul en boîte. Non, ce serait incroyable. La dernière fois que j'étais en boîte. Le gars il arrive comme ça, tu sais, il entend un peu la musique, il est comme ça genre. Il arrive devant, monsieur vous êtes recalé, et il repart en entend. Pas de problème, yes. Pas de problème. En vrai, j'ai vu le premier. J'ai vu que c'était toi, mais j'ai pas vu la question. Qui c'est qui a déjà été placé en garde à vue? Bah, vas-y, on a avancé. Ça, je suis sûr, c'est ce que c'est. C'est le côté tatouage et tout, genre ouais, skate et tout. Et du coup, les gens ils sont en mode oh, c'est un gangster. Ça me fait rire? Non, mec, monsieur. Pour toi, c'est monsieur dame. Oui, monsieur dame. Amixem dernier. Eh, Amixem, tous les trucs. Tu sais qu'il est dernier quand il faut faire des trucs dangereux. Non, mais lui, c'est sûr, lui, il fait de l'équitation, ce mec. Quoi? Ça n'a rien à voir. Anecdote, j'ai jamais été en garde à vue. Bah, moi non plus. Je pense que personne, non. Ok, d'accord. Alors là, je te jure, je sais que c'est moi à 100% et ça me fait mal au cœur. Pourquoi tu penses que c'est toi? Je vais mettre auprès du feu parce que c'est vrai. Ok, je fais le river. Qui c'est qui pense danser comme un dieu alors qu'il n'a aucun rythme? Non, mais toi, t'as dit plusieurs fois en vidéo, je crois, que t'avais aucun rythme, mais pour le chant, pas pour la danse. Mais pour la danse, encore pire. Peut-être que les gens sont mélangés. Ce que je fais quand je danse, je vais dans une boîte et je regarde le mec qui danse le mieux et je l'imite. C'est vrai? Mais c'est pas ouf. mais ça marche. Et des fois, je finis en duo avec lui. Genre, j'ai fini à Las Vegas en duo avec un mec sans. Mais ça, c'était quelqu'un qui dansait comme un dieu. Non, mais c'est ce que je vais faire un peu en rythme. Vas-y, nique ta mère. Ok, est-ce que t'es prêt? Je suis sûr qu'il y a moyen que je sois bien placé en fait. Ou alors, ils vont aller dans les clichés, ils vont se dire, lui c'est un Renoir, il a la ouais, danse dans la peau. Lui c'est bon, il s'est dansé. Oh. Eh bah pas du tout. Oh, vous êtes des chiens de la casse. Oh, abusé. Oh, je me sens brusqué d'un coup là. Après, 21%. C'est quoi, vous l'avez payé en ce moment? Qu'est-ce qu'il a payé? J'avoue, il a eu aucun truc négatif. Bah, moi, je serais plus d'échange de carte bleue si c'est ça. Voilà. Je le fais malmener là. Putain, moi, je suis en dernier. Putain, je suis content. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. C'est moi la grosse merde. C'est moi le mec en boîte qui reste assis. Je regarde les gens danser, je me dis. Ouais, t'es juste avec ton verre et t'es là, tu kiffes. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je suis un peu comme ça. Après, il y a toujours un moment où je veux. S'il y a ma musique, genre ma musique, tu vois. Mais il passe jamais du Wii Sport. T'inquiète mec, prochaine fois qu'on va en boîte, si on y va un jour, on met du Wii Sport. On va voir le DJ, on dit mec, mais Wii Sport. Mais Wii Sport, c'est sûr. Ok. Oh, putain, là, celle-là, je veux savoir. Mais mec, je pense que c'est encore moi. Qui c'est qui se croit bien habillé mais ressemble à un clochard? Attends. Je vais pas mettre de théorie. Je pense que c'est moi. C'est méchant. Dans cette question, elle est méchante. Ouais, ok, ça va, vous êtes gentil. Oh, bah. Là, je suis bien moi, en mode je me fringue bien. Ah putain, ça me fait plaisir. En fait, je porte que ma marque de fringue. Mec, c'est pio. C'est en mode il s'habille mal, mais en plus, c'est sa marque de vêtements. Oh les gars, vous allez trop loin. Attends, je me permets de t'installer. Vas-y. Parce qu'en fait, moi là-bas, j'ai créé la marque pour pas comme ça, pour que c'est les gens. C'est un projet, tu vois. Genre, les gens ils achètent des fringues et l'argent, bah, il est reversé à du sport extrême, que ce soit le BMX, même la trottinette s'il faut, tu vois. Mais je pense qu'il faut aider tout le monde, je pense qu'il faut être ouvert. Par contre, si tu me coupes pas, fils de pute, tu veux quoi toi? Je paye combien par mois là? Et tu vois, je pense que. Si vraiment là tu déroules toutes mes vidéos, y a pas une seule fois où j'ai pas un sweat, donc je vois pas pourquoi je suis avant-dernier. C'est méchant mec, c'est méchant. De toute façon les gens ils sont méchants, ils sont devenus méchants de toute façon. Je vous aime bien putain. Parce que vous avez mis avant-dernier donc ça me va. Par contre la danse pas ouf. Il y a de se bloquer sur la danse. C'est dommage pour la marque parce qu'il y avait un code promo de moins 10%. Qui c'est qui pourrait être agent secret? Je pense qu'ils t'ont mis premier. Ou Maxime. Ouais, ils ont mis Maxime, c'est sûr, mais Maxime il a une cote en ce moment, mais laisse tomber. Mec, s'il est coté premier là-dessus. Si c'était un cheval, ça serait un pur sang. S'il est coté agent secret premier là-dessus, faut faire quelque chose pour faire chavirer son image. Ouais, c'est clair. C'est pas possible! Maxime il baisse des poneys! C'est peut-être un peu encore. Okay. Ouais. Maxime, il a une bonne vie et une famille et tout. Là. Ah putain. Il est trop propre ce mec. Mais ouais. Par contre, c'est ouf qu'on arrive à tout anticiper. Ça prouve que vraiment, c'est vraiment bizarre cette fois. Il est trop propre. On va trouver quelque chose, on va le faire couler. Par contre, moi je suis entre les deux donc ça me va en fait. Alors moi je crois que je suis dernier. Wow. Excellent. Non mais je pense, c'est pas vexant, hein, mais je pense qu'ils ont plus vu ça sur le côté vie secrète et pas vraiment vie honnête. Sportif. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, bien sûr. Ah, mais ouais. Genre là, ils ont plus dit, ouais, Maxime, il aurait les moyens de cacher ça, mais il aurait pas le moyen d'être un vrai agent secret alors que nous on pourrait faire des roulades, tout ça, tu vois. Ah, bien sûr. Bah, sinon, ça serait clairement premier quoi. Attention, c'est pas un effet de montage, mais je vais tirer avec mon doigt. Moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire péter une bombe avec mon téton quoi. Ah oui, bah. On vient de tuer un immeuble entier et ça nous fait rire. Super! Bah, génial!
Dernière question. Voilà. Okay. Mec, ça va de moi parce que ça parle de cul en fait. Je suis associé à ça. C'est dommage. Tu penses que ça va être toi ? Y a pas que ça chez moi. Hein. Je peux en parler, je peux faire des vannes, mais vraiment c'est rien par rapport à ce que j'ai pu faire sur ma chaîne. Bon, ça, c'est... Voilà, je préfère. Je voulais en parler. Voilà, je veux en parler. Qui c'est qui pourrait crier le mauvais prénom au lit ? Bah Big Flo. Et au lit. Attends, on l'a refait, mais juste, je bouge pas d'un poil. Et au lit. Oh, mais j'ai disparu tellement j'ai marrant, mec, comme effet. Pourquoi Alors attends, du coup, qui c'est moi à 50%. Je suis pas certain. Alors, je pense que c'est toi, en vrai, t'as raison. Oh, mec. Oh, ouais, oh là là là. Oh là là. Soit 55%. Alors qu'en vrai, quand on est ensemble, tu te trompes pas de. Hein ? Pardon, excuse-moi. c'est un film, en fait, mec. Oh, ouais. Non, t'inquiète. Ouais, je dis excuse-moi. Pour l'enlever. Ce qui est ouf, pour de vrai, c'est que moi, les prénoms, mec, c'est un gros problème. Je ne retiens pas les prénoms des gens. Le nombre de gens que je me trompe. Et en plus, quand ça m'arrive, je me sens tellement mal. Tu as déjà vu le nombre de fois où je dis ah oui, avec. Oui, c'est tout le temps c'est comme vrai. Ça, mec. Ouais, c'est vrai que maintenant tu le dis, ouais. Je ne retiens jamais les prénoms. Et bah, du coup, non, ça ne m'est jamais arrivé. Ah putain, mec, tu sais que j'ai envie de continuer là. J'aurais voulu qu'il y ait 50 questions. Et ben, mesdames et messieurs, si vous voulez qu'on refasse ça avec une suite, ce sera trop trop bien. Mesdames et messieurs, fin de la vidéo. Le jeu qui c'est qui c'est trop blanc là. Ouais, je crois que c'est bon. Le jeu qui c'est qui est disponible. Il y a un lien en bas. Donc, clique, informe-toi. En vrai, c'est vraiment bien comme jeu en soirée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Allez voir la chaîne de Mastu. En plus, il a adopté un chat hyper mignon, donc forcément, ça clique. A bientôt et merci encore de me suivre et j'espère que la vidéo vous plaît. Ah, j'ai voulu péter, j'ai pas réussi, je vais me chier dessus. Allez, à plus. Au revoir.